Bonjour, sur la radio de Raymond avec Raymond, la phrase que je ne cesserai de vous répéter, c'est « Il n'y a rien pour les HP dans la haute du Père Noël ». Ça devrait vous parler, ça. D'accord, ça c'est dit. Donc, arrêtez de croire que le Père Noël existe et qu'il va vous changer. Ça va vous coûter des ronds pour pas grand-chose et beaucoup, beaucoup d'argent. Ça c'est dit. Alors maintenant, pourquoi le surdoué a besoin d'un amour passionnel? Pourquoi le surdoué a besoin d'une vie intense? C'est pas que d'un amour passionnel. Il a besoin, tout ce qu'il vit, il a besoin de le faire intensément. Le surdoué ne sait pas qu'est-ce qu'il fout sur Terre. Pourquoi je suis là? Mais les bois. Mais tu fous dans les bois, ben, je sais pas, je suis bien là. Pourquoi j'irai ailleurs? Enfin, vous voyez, le surdoué ne sait pas ce qu'il fait là. Mais le surdoué, déjà, quand il dit je ne sais pas ce que je fais sur Terre, c'est qu'il s'est déjà posé la question. Est-ce que les autres se posent la question tous les matins, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais? Alors, ils ont tous dit, hein, qu'est-ce que je fais sur cette planète de singes? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quoi ma voix? Mais pourquoi je suis là? Voilà. Alors, vous pensez que je parle que des HPE, mais vous trompez. Le HPI aussi, sauf qu'il le formule différemment. Donc, pourquoi le surdoué a besoin de vivre intensément? C'est pour donner du sens. Si, tout ce qu'il fait, si ça n'a pas de sens, moi, je fais des vidéos, ça a un sens. C'est-à-dire que j'ai trouvé, j'ai cherché. Les psys se sont foutus de moi, il n'y a pas d'autre mot. Ils étaient complètement ignorants. Ils ne savaient absolument rien de ce que j'avais. Je parle de mon cas, je ne parle pas de pour les autres. Hein. Et ils m'ont fait croire qu'il fallait que je revienne. Rien du tout. Donc, ça n'avait pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne leur en veux pas du tout. Hein. Mais quand même. Hein. Comment ça, je ne leur en veux pas du tout? Je suis en colère, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais comme vous, vous pouvez l'être. Donc après, je me suis dit, mais on doit leur dire. Et il faudra leur dire. Et on doit dire à un surdoué que voilà, oui, tu es surdoué, tu n'auras pas une vie comme les autres. Ah, maman, pourquoi? Ben pourquoi? Ben attends, je t'explique, hein, sinon ça va être compliqué pour toi. Donc c'est ça. Donc le surdoué, si on le prépare très tôt, bien sûr que ça va changer sa vie. Évidemment, il faudrait qu'il ait un parent surdoué pour l'accompagner. Mais le surdoué, si ça n'a pas de sens, si ce n'est pas intense, il a l'impression d'être mort-vivant. Voilà. Le surdoué, il a l'impression d'être un mort-vivant. Ça n'a aucun intérêt de passer, ça n'a aucun, je fais ça pour pas oublier les gens, ça n'a aucun intérêt de machin, voilà, vous comprenez? Donc pour que ça ait du sens et pour que les choses elles puissent exister et vibrer, et pour que le surdoué ait l'impression d'exister, il faut que ce soit intense, que ça ait du sens et que ça soit intense. L'amour, il doit être très fort, voilà. Mais le surdoué sait donner du sens à sa vie. Ça veut dire que dans une relation amoureuse, n'hésitez pas, allez-y, viens, on dort dans les bois, viens, on se met une cabane dans les arbres, viens, on prend un avion, on part à Tokyo pour la nuit. Bon, en même temps, c'est long, hein, il est tellement long pour y arriver. Il y a un monsieur qui passe, il faut que je refasse la vidéo, il est parti. Je ne sais pas où il est passé, il part de l'autre côté, bon, c'est gentil. Il a dû comprendre, lui. Il est peut-être HP, non, pas du tout. Bon, alors, vous comprenez? Donc, tout doit être vécu intensément, voilà. Et avec tout ce que comprend le surdoué, dans sa pudeur, dans sa timidité, qu'on prend pour de l'arrogance, il est toujours en train de vouloir se dépasser. Voilà, vous comprenez, il faut que donner un sens. Et moi, par exemple, j'ai pensé qu'en transmettant ce que j'avais compris, eh ben, évidemment que ça donnait un sens à ma vie. Voilà. Et après, je vais vous expliquer comment j'ai fait les vidéos. Vous voulez, on va se distraire un peu, parce que j'en ai un peu marre. Hein. Moi, je commençais à vous raconter l'histoire de psy, de machin, ça va vous faire rire. Hein. Bon, je vous embrasse, on va rester sérieux. Et n'oubliez pas, il n'y a rien pour le HP dans la haute du Père Noël. Bisous, bisous tout le monde. Je sais qui est derrière, c'est pour ça que maintenant, je respire, quoi. Je sais qui est derrière, les petits mots que je reçois et tout. Je vous embrasse.